Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour quelques instants ensemble pour le début juillet. Alors ce vlog, pour des raisons personnelles, sera un petit peu plus court qu'habituellement. J'espère que vous passerez quand même un agréable moment. C'est pour moi toujours un grand plaisir que de vous retrouver. Il me reste à vous souhaiter un bon visionnage et à vous remercier encore de votre présence. En ce moment, je bois tous les matins un grand bol de tisane de romarin. Pour ceux qui souhaitent en faire, je conseille à peu près pour un litre d'eau, presque un litre d'eau, de mettre simplement une petite branche d'une vingtaine de centimètres parce que le goût est extrêmement puissant. Parallèlement, je continue mes petites récoltes. J'ai récolté et fait sécher de la sarriette, du thym citron. Je continue à récolter la verveine et pour mes tisanes à venir, je commence à faire sécher également du romarin. Dans l'un de mes vlogs, je vous avais évoqué la couture à la main et je souhaitais prendre quelques instants pour parler de ce livre que je possède depuis plusieurs années. C'est un livre qui comporte des patrons en taille réelle et qui vous explique, comme son titre l'indique, toutes les bases de la couture à la main. Alors, il comporte bien sûr des sections mentionnant le petit matériel à posséder de manière à bien débuter. Il évoque le fait d'avoir des outils et du fil qui soient qualitatifs de manière à pouvoir faire un travail qui soit solide et qui soit durable. Alors il y sera bien sûr question de vêtements à réaliser mais aussi de tout un tas d'accessoires et tout est expliqué de façon progressive pour apprendre à faire de belles finitions également. Alors, pour celles qui veulent se lancer, ce livre vous apprendra comment préparer et utiliser un patron, comment le lire, comment le poser, comment le découper. Et tout est expliqué d'une façon extrêmement simple. Et là, je pense que vous vous dites, mais pourquoi nous parle-t-elle de couture à la main alors qu'on peut coudre de façon facile, rapide, à la machine? Alors déjà parce que c'est vraiment une façon d'aborder la couture autrement. Déjà en prenant bien évidemment davantage son temps, et vous savez que je suis adepte de prendre son temps, quels que soient les ouvrages, mais c'est aussi l'impression qui est agréable de maîtriser le processus de A à Z. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu incongru parce que paradoxalement, nous possédons des machines qui sont de plus en plus sophistiquées. Et l'un des arguments que j'entends le plus quand je parle de couture de vêtements à la main, c'est le fait que les coutures soient moins solides. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça et je vais vous expliquer pourquoi.
Nous allons repartir un petit peu en arrière dans le temps pour évoquer la couture à la machine. Alors, l'avènement de la machine à coudre date de 1845 pour la toute première. Alors, elle n'était pas très facile d'usage. Le perfectionnement est venu à la suite. Vous avez notamment dans la foulée sont apparues les premières Singer. Il faut savoir que Singer est une marque américaine à la base. Et ces machines se sont développées petit à petit tout au long du 19e. Mais elles n'étaient quand même l'apanage que des classes les plus aisées au départ. Alors, le fonctionnement en était fort simple. D'une main, vous faisiez tourner une manivelle qui vous permettait d'actionner l'aiguille. Et de l'autre, eh bien, vous poussiez le tissu sous le pied de biche. Vous voyez ici une couturière au travail. Et ainsi, vous adaptiez tout simplement la vitesse de votre couture. Et petit à petit, la dextérité venant, vous pouviez coudre de façon relativement rapide. Bien sûr, toutes les petites filles apprenaient les rudiments de la couture. Il faut savoir quand même que dans les classes aisées, on apprenait également cet art aux garçons de bonne famille. Pendant très très longtemps, la femme a confectionné absolument tous les vêtements de la famille. Et vous imaginez bien que le travail étant colossal, on faisait des vêtements qui étaient faits pour durer. On apprenait évidemment l'art du raccommodage, toutes les techniques qui faisaient que les vêtements étaient créés de façon solide et vraiment, comme je l'ai dit, faites pour durer dans le temps. Alors, qu'en est-il de la couture par elle-même? Pour illustrer mon propos, je vais vous montrer un vêtement qui a plus de 100 ans et nous allons regarder ensemble les coutures. Alors, vous voyez ici un vêtement en lin cousu entièrement à la main. Vous pouvez admirer la régularité des points. Alors, c'est vrai que quelquefois, il y a des petites irrégularités. Mais vous pouvez constater, et c'est quelque chose que j'ai vu dans de nombreux vêtements, que se pratiquait ce qu'on appelle maintenant les coutures à l'anglaise. Il existait également un genre de petits points. Alors, je vais me rapprocher. Voilà. Je pense que c'est légèrement équivalent au surfilage. Qui vous permettait, là vous êtes sur l'envers du tissu, qui vous permettait d'avoir un travail extrêmement propre. Vous voyez ici la technique de manière à agrandir le bas de la chemise. C'est très ingénieux. Vous avez ici les petits points de l'ourlet. Ce que je veux vous dire, c'est que ces vêtements ont plus de 100 ans, ont été lavés maintes et maintes fois. Et ce sont des choses que j'ai très souvent observées puisque je regarde beaucoup le linge ancien, les vêtements de bébés et d'enfants anciens également. Et je retrouve toujours la même qualité de travail. Et il est très rare que je trouve des vêtements dont les points se soient défaits. Voilà ce que j'avais envie de dire sur la couture à la main. Alors, je ne suis bien entendu pas en train de prôner le retour de la couture à la main. C'est pas du tout mon propos. Je veux juste mentionner le plaisir qu'il peut y avoir à quelquefois coudre à la main. Et d'ailleurs, vous vous apercevrez également rapidement que quand il s'agit de faire des coutures délicates ou de passer des passages qui sont quand même plus difficiles à maîtriser, le fait de coudre à la main va vraiment vous aider à avoir des finitions qui sont absolument parfaites. Et avoir la satisfaction qu'un ouvrage est bien fini, c'est vraiment quelque chose qui est très très gratifiant. Je ne reviendrai pas sur le fait que, effectivement, les coutures à la main peuvent se montrer aussi solides, voire plus solides quelquefois, que certaines coutures à la machine. Voilà, nous allons revenir au livre que je vous ai montré tout à l'heure, que je finis. Alors, pour celles qui veulent se lancer, je pense notamment à Émilie, que je salue. Vous voyez qu'il y a certains modèles qui sont extrêmement simples. Alors, évidemment, ils peuvent être aussi cousus à la machine.
voyez qu'il n'y a pas de montage de manches. Donc pour débuter, c'est un modèle absolument parfait. Et bien entendu, vous allez également trouver un cahier de couture qui vous expliquera bien comment coudre correctement à la main. Tous les patrons sont en taille réelle dans une pochette à l'arrière de ce livre. C'est un livre que j'ai déjà depuis plusieurs années et qui est édité aux éditions de Saxe. Alors, je ne sais plus si c'est encore le cas. Je regarderai et je vous mettrai de toute façon un lien en dessous. Chaud ce matin-là que j'ai lancé tout un tas de cuissons, notamment des cuissons vapeur à la chaîne, de manière à pouvoir avoir des aliments que l'on puisse consommer froid. Sans transition, je vous montre mes petites trouvailles de brocante dans l'esprit des années 40 que j'aime beaucoup, des années 70, pardon. Je renonce à acheter et la fameuse pomme qui sert de bac à glaçons parce qu'elle est rendue à des prix vraiment... c'est pas possible. Mais il y avait également une fraise des années 70, également un ananas, si cela vous intéresse. Moi, j'ai trouvé la fraise et j'en suis vraiment ravie. J'ai trouvé également ce très joli petit pot. Un pot de chez Solidex également en excellent état. Je pense que je vais conserver dedans mes feuilles de laurier puisque comme ça elles seront à l'abri de la lumière. Je suis vraiment ravie de cette trouvaille. Et alors j'ai trouvé une publicité pour la maison Christie's à Londres. Et alors elle était encadrée, c'est une publicité d'époque effectivement puisqu'elle vient d'un journal daté de 1926. Je suis vraiment, vraiment très 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 contente d'avoir trouvé cette publicité. Et j'ai trouvé ce merveilleux Donald Duck daté de 1956. Alors il est totalement dans son jus, hein. Je le laisserai comme ça, je l'ai simplement nettoyé. Il était à l'origine sur un support publicitaire a priori. Voilà, je suis très contente d'avoir cet objet qui rejoint ma collection de Club des 5 des années 50. Bonjour, alors on se retrouve pour un petit bavardage puisque je voudrais couper quelques lots de tissus. Je suis également en train de préparer une deuxième démarque pour demain, pour les soldes, voilà. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler un petit peu.
Alors, je suis obligée de me tenir penchée, je le dis, parce que quelques-uns se sont interrogés. C'est tout simplement mon trépied n'est pas assez haut. Écoutez, je ne sais pas pourquoi il est aussi petit. Il est au maximum, donc je me penche, sinon vous ne me voyez pas. Voilà, c'est la simple raison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Eh bien, j'ai fini de finaliser et de passer toutes les commandes pour la box qui sortira, je l'espère, toute fin septembre, début octobre. Vraiment tout début octobre, c'est mon objectif, de manière à ce que vous l'ayez vraiment pour le mois d'octobre, pour l'automne en fait, hein, voilà. Ce qui m'amène à parler un petit peu de la box, je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué, je souhaitais quand même le faire. J'y ai repensé en faisant les achats pour. Si vous avez déjà acheté une de mes box, une de mes surprises, des jolies surprises, vous avez dû voir que d'une façon générale, je joins toujours, je fais une parenthèse à la dernière box, j'ai rédigé les textes autrement et je n'ai pas joint cette fiche. Je me suis laissé un petit peu débordée par le temps, par les événements et par d'autres, pour d'autres raisons. Mais je le fais de façon systématique, sinon je joins toujours une fiche qui explique le pourquoi la sélection des objets que vous avez dans la box, pourquoi j'ai sélectionné tel ou tel créateur, tel ou tel artisan, telle ou telle structure, quels sont mes critères, voilà. Alors, comment je fais? En général, pour retrouver des objets, je m'adresse soit directement à un créateur, à un fabricant, à une petite structure, soit j'utilise les plateformes de mise en relation, j'allais dire artisans consommateurs ou petites structures consommateurs qui permettent de se mettre en contact, voilà, c'est exactement ça, de dialoguer, je dialogue toujours. Et là, vous avez accès à des sélections. C'est à vous de sélectionner ce que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple choisir, ce qui est mon cas systématiquement, de ne jamais sélectionner une structure ou une personne qui vend également sur Amazon, ou quelque chose qui soit en vente sur Amazon, ou qui soit en vente sur d'autres grands marchands de ce type. Alors, non pas que j'ai quoi que ce soit contre, hein, mais ça ne correspond pas à ce que je souhaite faire pour la box, ni l'esprit que je souhaite lui donner. Donc je fais attention à cela en première sélection. Je sélectionne aussi, toujours comme je l'ai dit, des entreprises à taille humaine ou des gens qui travaillent seuls, il y en a. Je fais vraiment attention à ce qu'il y ait un humain derrière avec lequel je puisse dialoguer, qu'il y ait une éthique. Je cherche aussi, quand c'est possible, à ce qu'il y ait le respect, si possible, des normes environnementales quand... au maximum, hein, rien n'est jamais parfait, mais j'ai quand même aussi cet objectif-là. Je fais donc attention à ça. C'est la manière dont je sélectionne. Donc, quand vous avez un objet, quand vous avez quelque chose qui se trouve dans la box, eh bien, et derrière, il y a une histoire, il y a un humain qui travaille, qu'il soit seul ou... que ce soit un petit groupe. En général, ce sont des petites structures que je souhaite aussi soutenir de cette façon-là, parce que leur travail me plaît, leur démarche me plaît, et c'est vraiment l'esprit que je souhaite pour ce que je vais vous proposer. Donc vous avez quelque chose entre les mains, et ce que vous avez entre les mains, il y a un humain derrière, des humains qui travaillent, avec lesquels je dialogue, comme je l'ai dit. Par exemple, là, pour une partie de la box, ça vient des États-Unis, je vous l'avais dit. Et je suis en ce moment en dialogue avec Emma, qui se trouve dans l'Oregon, et qui va fabriquer à ma demande, puisqu'elle n'avait plus suffisamment de stock, qui va fabriquer à ma demande quelque chose qui va se trouver dans les jolies surprises du mois d'octobre.
Voilà, mais pour les autres, c'est pareil. J'ai dialogué avec, j'ai parlé, voilà, il y a vraiment une mise en relation, c'est ce que je cherche à avoir. Quand donc vous avez un des objets de la box, sachez que derrière, il y a tout ce travail de recherche. Vous imaginez bien que tout cela a un certain coût, puisque eh bien, derrière, il y a un humain, des humains, eh bien, avec tout ce qui va avec, mais des personnes que je suis aussi heureuse de pouvoir soutenir, dont je suis heureuse de pouvoir soutenir la démarche, le travail, et qui répondent bien entendu aussi à ce que je recherche en matière d'originalité ou de... Voilà. Il y a un petit peu de tout ça. Alors, comment ça se passe le travail avec l'Angleterre, avec les États-Unis? Alors, sur ce genre de plateforme, c'est soit je joins directement les gens, ce qui m'arrive par exemple en passant par Etsy. Ce ne sont pas des plateformes qui sont très favorables pour moi, puisqu'il n'y a pas de tarif préférentiel du tout. Mais ça m'arrive quand même de le faire quand vraiment j'ai à cœur et que je trouve que le travail de quelqu'un est intéressant et qu'il peut vous intéresser. Toutefois, majoritairement, je passe par ces plateformes-là. Et comment ça se passe? Eh bien, vous pouvez disposer d'abonnements qui, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, vous permet d'avoir quelquefois le port gratuit. Quelquefois, vous avez une partie de la des douanes qui est remboursée. C'est pas le cas de tous ceux qui vendent sur ces plateformes. Par exemple, je vais prendre le cas d'Alice Caroline. Alice Caroline, il y a pour son cas à elle, les douanes ne sont pas du tout prises en compte ou tout en partie ou entièrement. Le port n'est pas pris en compte. Et puis bien sûr, quand vous travaillez avec l'Angleterre ou les États-Unis, vous réglez la TVA en France. Voilà. Même si vous n'y êtes pas assujetti, ça je vous l'ai déjà dit, c'est ainsi. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors pourquoi là j'ai passé toutes les commandes? Bien, tout simplement parce qu'il y avait une opération sur 3 jours qui permettait d'avoir sur certaines créateurs et boutiques que j'avais sélectionnées d'avoir une remise de 15%. Donc j'étais bien contente de pouvoir en bénéficier pour certaines des commandes, d'autant que j'ai prévu 20 box. Donc cette petite réduction était la bienvenue, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai passé donc la toute dernière commande de ce matin. Voilà, on a été coupé. Écoutez, je pense que je ne vais pas en dire davantage. Je vais me dépêcher de refermer la fenêtre parce que j'ai un ventilateur là derrière, mais je suis exposée plein sud et je commence à avoir extrêmement chaud. Et puis, je vais finir de préparer mes petits lots puisque vous avez dû remarquer encore une fois que quand je ne travaille pas. Je ne sais pas faire deux choses à la fois. Je ne vois que ça. Voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain. The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe. Rising somewhere in your eyes. Yes, this is real. My
Nous sommes en fin de journée, on ne voit plus vraiment clair, j'espère que ça ira. Je voulais vous montrer l'encours tricot que je viens de mettre en route. Il s'agit du pull Linus d'une poule à petits pas, donc Aurélie Tixier. Ça fait longtemps que je recherchais un petit pull comme ça, style années 40. Mon idée, c'est de faire un gilet assorti pour faire un genre d'ensemble twin set, si vous voyez ce que je veux dire. Je le tricote en alpaca des Andes, c'est une de Plassard. C'est une laine que j'ai récupérée à ma maman qui a abandonné un tricot en cours. Et je suis ravie de redébuter un nouveau tricot après l'échec de mon tricot vintage que j'ai dû abandonner parce que les explications, mais ça a été impossible de mener le tricot à terme. Du coup, j'ai attendu avant de me redécider à relancer un tricot et voilà, c'est chose faite et je suis vraiment ravie. Je ne manquerai pas de vous montrer mon avancée. Following the streams, emotion riders of the night with no destination. I never know the name of our future station. We are lost romantics in a world that's frozen. We cannot be the heroes of our own novel. We just need some time. Oh, I know this can take a while, but it's gonna be. Right, girl. And if it won't fit today, I'm the shoulder you can cry on. So cry.